Gorgo et Thanos se fit face pour leur dernier combat. Le combat fut féroce. Des pim, pam, poum, c'était génial. C'est alors que Thanos, mauvais perdant, avala les pierres de finité et prit tout de suite des niveaux supplémentaires. Celui-ci devient fou de rage encore plus. Dans sa rage, il tua Tristan qui voulait juste sauver sa sœur. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Gorgo devra prendre quelques niveaux avant de réaffronter Thanos le tricheur dans la campagne de Dungeon 4. J'en étais sûre. Cette maudite foreuse a vraiment réveillé quelque chose dans le sous-monde. C'est en train de tout saccager. Ça. Ouh ! Des bestioles du sous-monde, dérangées par le vacarme de la naine, avaient creusé des galeries dans le donjon. Mais c'est tout proche, hein, dis donc ! Les bestioles du sous-monde, dérangées par le vacarme de la forêt humaine, avaient creusé des galeries dans le donjon. La foreuse de finité surchauffa si longtemps qu'elle s'arrêta à l'arrêt. Votre filon d'or est presque épuisé. Lequel ? Pas à l'origine. Bah, c'est bon, là j'en ai d'autres, jour mais... Ça veut dire aussi qu'il faut que j'augmente mes gruaux. Il me faut... des caisses. C'est ça. Non, ça, c'est pas drôle. Ah. Nous allons utiliser cette fois-ci. Ah, ils m'ont cassé mon portail. Il a. Oh, doublement vilain. Vous allez m'appliquer. Et on a charmé le... Le paladin. J'ai envie de l'appeler le paladin, même si... Un filon d'or est à sec. Okay. C'est mort, on va passer par là. Il y a un passage, il est compliqué. J'ai perdu ma nègre. Les morts ont fait chuter les effectifs de votre armée. Ah.
Ah là là là, les gars. Il y a une... Il nous faut combien? 250. Un petit convoi tristouné s'était égaré sur les terres du mal. Il suffisait de le détruire pour mettre fin à ses souffrances qui généraient de la malfaisance. Oui, bah... Le mâle explorateur améliora les unités de travail de ses grouillots grâce à une nouvelle technologie. Il pouvait creuser jusqu'à la pierre de finité. Laquelle ? Posez une autre question, hein ? Laquelle ? Allez les gars, yes ! Un de moins. Les morts ont fait chuter les effectifs de votre armée. Je sais pas combien, mais oui. Pas tous. 1, 2, 3. Les gars. Ah ok, vous étiez occupés. Excusez-moi, je croyais. Est-ce que vous pouvez récupérer le dadon, s'il vous plaît, et la malfaisance? C'est un en malfaisance, mais c'est ça de moins à récupérer. Hey, les pompes de refroidissement. Oh les gars, ils les ont détruits dans votre dos et vous avez rien fait. Arrêtez ces vermines! On n'a plus qu'une seule pompe. Détruite, on va devoir souffler dessus pour refroidir! Talia et le mâle explorateur avaient trouvé une autre entrée dans le sous-monde. Et... où pouvait-elle bien venir? Comment j'aurais pu savoir? Bon bah... ajouter des personnes, hein, parce que... il le faut! Ah, c'est bien aussi. Ah, je sais. J'essaie de les aider, pas beaucoup, mais suffisamment. Les tentacules. Il faudrait une des créations de... je suis bien contente. Allez faire eux. Allez laisser là. Une de vos créatures est morte. Oh là là, ça. Dans le doute. Hop là. Mais il creuse. C'est moi. Il creuse. Non.
Voilà. Ça me permettra. Ensuite, il faudra qu'il creuse là-dedans, de toute façon. La vénéneuse, attention à gagner. Si vous pouvez attaquer ensemble, ça serait très intelligent. Et demande. Ils ont refait une truc. Hop. Là, il y en a une qui a poussé, donc ici. Ennemi présent dans le donjon. Ennemi présent dans le donjon. On peut faire boum. Ah, j'ai pas pu. Bah oui, j'ai pas assez de boîtes. Le mâle spectaculaire avait trouvé la première pierre de Philité. Ah, parfait. Ça veut dire qu'on peut partir d'ici, c'est ça? Hé, prends-moi ça, c'est pas ça. Ni les deux autres qui traînent encore quelque part dans le coin, d'ailleurs. C'est hors de question. Attends, t'as dit deux autres? Oups, j'ai pas dû faire attention à la charmante voix du narrateur. C'est bien, je les récupérerai aussi avant même que cette idiote de naine s'en aperçoive. Ça. Peut-être qu'il faut les laisser. Hein. Par contre, elle est belle. Là. Non, on peut pas se la cacher. Hein. Elle est belle. L'or. Toujours de l'or. Toujours de l'or. Je comprends pas. Pourquoi? Aussi de la présence. Il faut aussi avoir un peu de chance. J'ai même plus d'or pour construire des zones. Même là, il faudrait pas que je le fasse. Une nouvelle zone du donjon a été découverte. Ouais. Drelin, drelin, c'est l'heure de la paye. Mais elle sert à rien cette zone. D'accord, hein. L'heure de la paye. Souffrez, provo mortel. J'ai vraiment peur que les nouvelles. Les zones que je peux pas enlever des araignées. Ils disent. Eh bah, maintenant tous les araignées arrivent! Pop pop! C'est vraiment une peur. C'est pour ça que je mets des pièges un peu partout. Pas pour faire joli, hein. Oui, un peu, mais. C'est pas que pour ça. Ça. Alors, nous avons... Il faudrait que je descende. Mais pour cela, il faut aussi que j'ai de la malfaisance. Pour aussi... C'est du français. Il faudrait aussi que j'augmente ça pour avoir plus de dadons. Il me faudrait 100 dadons. On peut faire ceci pour améliorer la capacité. Mais... Également... Bien... C'est très rare que je dis que c'est utile d'avoir une deuxième pièce de la même fonction.
de faire ça. Juste pour avoir de l'or supplémentaire. Hein. Des manavores ont été découverts dans votre donjon. C'est logique. Et je la vois, il est là. Voilà. Bien sûr, une petite... Il risque d'en avoir d'autres. Je vais expliquer pourquoi. Parce que si les araignées arrivent, ils vont se dire creuser par là c'est plus rapide. Bon, non. Quitte à faire une salle un peu plus petite, 36, une capacité de 114, c'est bien. Faudrait reboucher ici. Quoi d'autre faire? J'apparais penser correctement. Remonter mes grues. Là, ça serait pas mal. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il me faut? La faisance. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Prison. Fait. Très très bien. Or, là, j'ai un peu peur d'avoir des manavores, donc on va attendre un peu. Libre. Je viens juste de voir qu'il me restait 30 secondes, 8 secondes pour revenir dans la zone. L'or se mit à teinter sous les vibrations de la foreuse de Philité. C'est gratuit. Elle était remise en marche. Là, j'ai vu. Ici. On va juste pas utiliser de la malfaisance pour. Descendre, on va essayer d'économiser parce que il suffit que j'en ai vraiment besoin au bon ou au mauvais moment. Bah voilà, je suis caca. Des bestioles du sous-monde, dérangées par le vacarme de la foreuse naine, avaient creusé des galeries dans le donjon. Exemple ici. L'organisation charitable des chiens d'aveugles pour les enfants troncs avait naïvement envoyé une cargaison. Elle rapporterait un joli petit paquet de malfaisance au mal. Voilà. Allez les gars, juste celle-là et on revient ici. Ah non, les bestioles destructives de murs sont en train de creuser dans tout le monde. Ah ça va, c'est des araignées, il y a pire. Pire que les araignées. C'est le jour de paye. Ouais, mais non, les bestioles de ce monde, dérangées par le vacarme de la foreuse naine, avaient creusé des galeries dans le donjon. Ah. Ça, je pouvais pas savoir. Ah, il y en a d'autres là. Vite. Oui. Là. Les trois là, ça ira. Je pense que ça ira. Creusèrent des galeries dans le sous-monde et ravagèrent des murs du donjon. Ça. Les bestioles de ce monde, dérangées par le vacarme de la foreuse naine, avaient creusé des galeries dans le donjon. Allez, on tue celle-là, s'il vous plaît, soyez intelligents.
respiration. Vos ennemis sont dans le donjon. Ça? Ah! Là. La foreuse de Finité avait dû s'arrêter. Plus aucun mur ne tremblait dans le donjon. Faut faire demi-tour, j'espère. Oui! Ça me fera de la malfaisance gratuite. Parce qu'ils sont plus proches. De Naga. Et là, c'est bien. On respire un peu, pas beaucoup, mais suffisamment pour avancer. Nous aurons la malfaisance, et ça, c'est bien. Nous avons deux filons infinis, ainsi qu'une... Je vais trop vite. Une gemme qui nous permettra d'avoir 10 000 en pognon, c'est bien. Nous avons 42 poulets, ça c'est bien. Nous pouvons utiliser un peu de malfaisance ou quoi? Il faut ça. Ceci. Pour 0 en malfaisance, on en profite. On prend. Le bar, on n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin de bar pour l'instant. Voilà. On a dressé. Nous avons réussi à avoir Drizodern avec nous. Nous pouvons faire ça pour monter nos gruots. Nous pour. Non, on n'a pas besoin de la danse, mais on va quand même l'acheter. Parce que ça coûte pas si cher que ça, la danse. Faire du 6 sur 6 comme d'habitude. Relance, c'est l'heure de la paye. Nous sommes ici, nous avançons. La malfaisance n'est plus là. C'est pas grave. Vous faites vraiment pitié à voir. Quand je raconterai ça à vos femmes, vous allez passer un sale quart d'heure. Allez! Montre-lui de quel bois on se chauffe! Des poche-trônes mariés à des alcoolos. C'est des nains. Était-ce des super profits? Des dividendes en route pour Luxembourg? Non, un simple convoi de marchandises. Malgré tout, c'est de la malfaisance à récolter. Ok, super. C'était drôle. On va utiliser de la malfaisance quand même. Parce que là, nous avons... J'ai vu que, qu'on avait deux guerriers. On a un Drizodern. J'ai un guerrier ici qui est coincé. On crache pas dessus. Jamais craché.
C'est dégueulasse. Je pense à ce que j'avais dit, je crois que à la première demi-heure. Comme quoi, ils font pas cracher sur les succubes. Sauf pour les lubrifier. Même moi j'ai honte de cette blague. J'y pense. Je vous jure, je pensais pas que je pouvais faire cette blague. Mais comme ça, non. À froid, non. La prison. On va remonter ça permettra d'être un tout petit peu plus forte. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Oui, la prison. Non, ça c'est la danse ici. La danse, c'est ça. Voilà. Je voulais faire la prison ici. Pourquoi? Tout simplement parce que... C'est pas ma faute si tes sous-fifres construisent que des babioles. Là, c'est gratuit. On peut recompléter cette zone-là pour mettre une porte ensuite. J'ai peur. Manavor. Et vu ce comment je gratte, oui. Ah, je creuse. Pas vu. Les manavores sont apparus dans votre... Voilà. Voilà. On va construire une votre filon d'or est presque épuisé. Une de vos créatures est morte. C'est pas grave. C'est quoi? Il y a un orc. Un gramme de soupe. Ils vont se débrouiller. On va se faire une mini pause. On va aller faire en sorte qu'ils mangent en dindon. Il mange en addon, qui se repose un peu, parce que là, ça commence à... J'ai pas mal de mana. Là, j'aime bien. Vos brouillots ont fini de creuser un filon d'or. Oui. Et c'est lequel? C'est celui-là. Celui-là? Ah, on les laisse... Drelin, drelin, c'est l'heure de la paye. Okay. Merci. Ils ont même pas vu. La foreuse de finité recommença à faire trembler les murs du souffle.
6 sur 6, c'est bien. Les brouillons ont fini de creuser un fil bas. J'ai pas vu où ça pourrait être. Voilà. Des bestioles du sous-monde, dérangées par le vacarme de la foreuse naine, avaient creusé des galeries dans le donjon. J'avais dit qu'il fallait du... Enfin... Non, je l'ai pas dit, mais... Ça sera plus tard. Comme ça, le... En L. Ah, d'autres bestioles destructrices de murs sont en train de creuser dans le sous-monde. Ah, j'ai vu, là. Il y avait un petit drapeau. Nous allons faire un piège ici. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hey, c'est une bonne idée. On pense que c'est une bonne idée. Ah, on attaque. J'aurais dû mettre un peu plus sur la gauche. Mais bon. Des bestioles du monde, dérangées par le vacarme de la foreuse mère. Faut pas qu'ils mangent. Des galeries dans le donjon. Faut pas qu'il touche au dindon. Le mâle, qui connaissait les meilleurs points, avait pu se procurer les outils nécessaires. Ravi, les grouillots pouvaient enfin miner la grisaille. Et on peut décreuser. Après, si on est obligé de passer par là. J'avais dit qu'on allait faire le bain ici.